La publique. Oui. Où tout le monde peut voir. Oui. Donc c'est quoi ton problème? Tu veux m'afficher? Hey la communauté Aline Penchine, on espère que... Bruh. On espère que vous allez bien. Générique. Bien sûr, apprendre au second degré. Aujourd'hui, c'est quoi le gros thème principal de la vidéo? Les années. Non, les générations. Voilà, aujourd'hui, on va parler un sujet que tous les jours je débat ici. Les générations. Est-ce que vous êtes au courant que les 2010, ils rentrent en 6e, que les 2006, ils rentrent en seconde, et que les 2018 rentrent en maternelle? Ah, c'est bizarre. Et moi, je suis en 2018. Genre, elle est passée en 5e, c'est 2009. Elle est passée en 4e, c'est une 2008. En fait, ça me choque. Et puis en vrai, j'avoue, bon, les 2003, ils rentrent à l'université. Peut-être ça me choque pas parce que c'est ma génération. Mais peut-être que bah, forcément, ça choque les anciens. Parlons peu, parlons bien. Faut arrêter de mettre les 2003 dans la catégorie des nouvelles générations. Je ne suis pas d'accord. Pour moi, avant, j'étais en mode, ah, les 2004, gna gna. Mais bon, j'avoue, on a un an d'écart. Et en prenant du recul, hein, les 2004, vas-y, ils comptent avec nous. Les 2005 et au-dessus... Une génération bizarre alors. Une génération qui veut trop grandir. Moi je veux pas grandir, tout va bien. Je suis d'accord. Voilà. Au moins elle qui est une 2009, elle assume. Parce que quand tu leur dis ça, non, vous voulez trop grandir. Bref, là n'est pas la question. Bientôt c'est la rentrée. C'est quand votre rentrée déjà? Non mais nous. C'est le 2. Non, c'est le 2. T'aimes trop. Non, c'est le 3. C'est quand votre rentrée? C'est la rentrée, elle est plus tard. C'est les 6e, le 2. Là n'est pas la question. Bientôt la rentrée. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances. On va tester notre culture générale aujourd'hui. Je suis une 2003, donc je me rapproche plus des 2000. Ce sont des 2008-2009, désolé. Donc elle se rapproche plus des 2010. Et du coup, j'ai mis 2000 vs 2010. Testons notre culture générale sur les générations. Et vu que vous voulez faire les grands, on va voir si vous êtes vraiment des grands. Non. Ça va se passer en 3 manches. Ce sera 1 vs 1. Manche 1, ce sera question pour un champion. Manche 2, un QCM. Et manche 3, finis les paroles. Voilà. Moi qui ai préparé les trucs, je connais pas du tout les réponses et tout. Ok. Non, faut que je me... C'est quoi ton problème? Non, ok. Donc, comme j'ai dit, c'est question pour un champion. Donc, c'est la première qui répond. Ah, on veut de l'enthousiasme. Mettez votre cœur, votre corps, votre âme. Et voilà. Question 1. Quand T'es fou a été diffusé pour la première fois? Vous êtes sérieuse? Je vais donner toutes les dates. Non mais réfléchis, on a dit réfléchis. On parle de T'es fou là. Genre là où il y avait les... Est-ce qu'on peut te poser des questions? Un peu avant, tu vois. Non, c'est génération... C'est au 21e siècle, pas au 20e. Ok, ok. Ah. T'es fou. C'est en 2000 quoi, purée. Ouais. Chiante, je sais. Du coup là j'ai mis un minuteur de 30 secondes. Okay. Et bref, vous connaissez la question, c'est parti. En 2000. Non. 2003. Non. Ah non, plus. C'est moins. Ah c'est moins. En 2005. C'est plus. C'est moins. 14 200. C'est plus. 14 250. C'est plus. 14 270. C'est plus. En 2006. C'est plus. 2007. En 2007. Oui. Mais franchement, toi, moi j'essaie de la tricher. 1er janvier 2007. Ok, prochaine question. Vous avez 30 secondes de débat. Ok. Citez 3 séries qu'on pouvait trouver sur Disney Channel. Top chrono. Violetta. Comment ça s'appelle Qu'on pouvait. Je sais pas. Phineas et Ferb. Et en dernier truc, moi je sais pas. En fait, il y en a plein, mais. Une série. Mais. Ouais, mais il y en a plein sur Disney Channel. Bah, je suis Luna. Mais vous êtes vraiment nuls parce que mettre autant de temps à répondre. Non, oh my god. Mais moi. Non, on a fait avant la fin. On a fait avant. Oui, mais c'est bon. C'est le temps de se rappeler. C'est même pas comme si Disney Channel c'est que ma génération. Certes, j'ai plus squatté ça que elle. Mais elles connaissent. Oui. Non, oui, mais non, le mais temps déjà... Mais j'en ai pas, en fait. Il y a 5 questions à chaque fois, disparaissant. Okay. Troisième question. Je hais. La chambre va bugger. Non, juste répondez bien.
c'est mort. Qui est Martina Stoessel? On allait bugger. Non, vous pouvez pas, vous pouvez pas. Je l'aimais trop, 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 trop. Mais c'est qui? Ça nous aide pas, je l'aimais trop, 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 trop. Mais je vais pas dire c'est qui joue le rôle de Violetta. Oui. Ah, elle a grave du hasard en plus. Quatrième question, la manche finit bientôt. Je compte pas les points là. Je crois que c'est Bug qui gagne. C'est quoi le dessin animé le plus vieux entre Charlotte aux fraises et Dora l'exploratrice? Dora l'exploratrice. Charlotte aux fraises. C'est Dora. C'était en 1999 que ça a été inventé et Charlotte aux fraises c'était en 2005. Mais les deux sont très vieux. Mais en fait, quand je regarde les dessins. Ok, donc il y a 2-2. Dernière question qui va vous départager. Je peux pas vous montrer l'image, mais je dois vous faire écouter. Normalement, vous êtes censé deviner si vous êtes des. Vous avez une bonne culture G, si vous êtes des anciennes, si vous êtes. Si vous êtes si grande que ça. Oh non, mais... Donc 30 secondes pour savoir d'où provient ce générique. Je suis contente parce qu'elle a trouvé, genre je pensais que ça allait être en mode Bon, en vrai, ça passe, mais je m'attendais à mieux venant de votre part. Surtout moi, je suis une grande fanatique, genre en mode, je suis une fille. Mais tu nous as jamais... J'ai grandi. Non, fou de rue, oui, j'ai pas dit, j'ai jamais parlé de ça. Genre en mode, moi je suis une meuf, je grandis. Mais des fois, j'accepte pas de grandir, ça veut dire j'aime trop parler des dessins animés avant et tout. Genre, j'aime trop toujours les trucs Disney et tout. Que ça soit Disney Channel, T'es fou, bref, tout ce que vous voulez. D'ailleurs, ça me fait penser à un tweet que je vous mets juste là. Du coup, ça fait 3-2. Ça va, franchement, ça va. On passe à la deuxième manche qui est un QCM. Et du coup, c'est toi qui nous poses des questions à nous. Oh non. Alors, première question. En quelle année le droit de vote à 18 ans a-t-il été instauré? 1958, 1974 ou 1981? 1974. Quoi? Faut être rapide, hein! 1962, instauration du suffrage universel. 1974, l'âge du droit de vote à 18 ans. Deuxième question. Quel pays a reporté. Remporté. Ouais, c'est ça. Quel pays a. Oh! C'est pas de ma faute! Quel pays a remporté la Coupe du Monde de football en 2014? Le Brésil, l'Italie, l'Argentine ou l'Allemagne? Le Brésil. Le Brésil. Tous ces Brésils. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Ouais, waka, 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 New York. Quelle est la devise de l'Union européenne? Un pour tous, tous pour un. Liberté, égalité, fraternité. Unis dans la diversité, l'union fait la force. L'union fait la force. Mais. Melina. Unis dans la diversité. Ah. Ah. A été utilisé pour la première fois en 2000. Bon, ça nous apprend des choses. Ah, mais du coup, j'ai aucun point. Quelle est la planète la plus proche du Soleil? La Terre, Mercure, Vénus ou Mars? Mercure. Redis les quatre. La Terre. Dans les quatre. Ah, c'est Mercure. Ah, bah, Emilia, t'avais raison. Il y a trois. Non. Du coup, cinquième et dernière question. Quel studio a produit le film d'animation Monstres et compagnie? Franchement, il veut si tu bug. Marvel, Pixar, Sony ou. Je sais pas ce que. Pixar, c'est pas un film? DreamWorks. Oui, voilà. Pixar, je suis sûr que c'est Pixar. C'est pas un film? Non, on a pas. Monstres et compagnie, j'ai dit Monstres et compagnie. Je comprends rien à la question. Mais Evelina! A produit le film. Ça s'affiche quand tu mets le film! Eh, vas-y, bref. Ah, je dois chanter. Ah, oui. Tu sais, les mecs comme toi, très souvent ça a des heures. Alors, non, c'est pas ça. C'est pas ça? Non. Bah, si, puisque après, ça pour quelqu'un. Tu sais, les mecs comme toi, très souvent ça a des heures. Très souvent ça disparaît, ça fait des sales histoires. Loser, donc, je vais finir par me sauver. Bon, en fait, finalement, on va échanger parce que moi, je connais toutes les réponses de la manche 3. J'ai oublié une manche. Are you ready, ready? Yes! Fini les paroles. We are the world. Pourquoi t'as mis en anglais? Non, vas-y. Mais je parle pas l'anglais. Même!
de nul. Yo, I tell you what I want, what I really, really want. C'est mort. C'est yo, cool. You tell me what you want. Chut, t'as dit quoi? You tell me what you want. Cause I really, really want. Avant dernier. C'est mort. Je suis sûre qu'on va deviner, c'est ouais. Nul. Ok. J'irai chercher ton âme dans les froids, dans les flammes. Je te jetterai des sorts. C'est facile, s'il vous plaît. Je connais, mais je connais pas. On l'a déjà mise plein de fois. Je connais juste truc pour truc. J'irai chercher les sorts. C'est le titre. Pour que tu. Pour que tu. Non, c'est fini. Je connais, mais je non, mais c'est venu, j'ai perdu. Pour que tu m'aimes encore. Voilà. T'as un demi-point, t'as dit pour que tu. Et on dit premier gaou n'est pas gaou. Ah, et pas ga, n'est pas gaou. Ah. Vous êtes sérieuse? Ouais. C'est deuxième gaou qui est Nyatao. Je connais pas de parole. En fait, j'ai jamais connu parole. Tu connais parole en fait? Bah oui. Genre. Je crois que la prochaine fois tu mets des chansons. Catastrophe! Catastrophe! Génération nulle. C'est quoi ça? Repensez à toutes les questions, à tous les trucs. J'ai été gentille, genre j'ai dit des trucs. Ouais. C'est pas en mode que vous avez jamais entendu parler. Ça veut pas dire que vous connaissez mes paroles. Mais oui, en fait. Dites-moi en commentaire si vous avez reconnu des trucs et tout et tout. On espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, likez, partagez et surtout abonnez-vous. Et si ça vous intéresse, une partie 2 dans les commentaires. Voilà. Ah oui, je voulais dire quelque chose, une annonce. La semaine prochaine, le 1er ou le 2 septembre, il y a sûrement un vlog qui va sortir, donc vous savez quoi faire.